Bonjour et bon week-end à tous. Pour ce 22 juin, l'horoscope, je vous rappelle que vous avez la pleine lune en Capricorne aujourd'hui qui en toute sa splendeur arrive. Balance. Mes chers amis, pour vous, je dirais, vous pouvez vraiment être très, très, très satisfait et heureux aujourd'hui. Il y a des examens que vous réussissez. Il y a une grande victoire annoncée pour quelqu'un d'entre vous. Ça veut dire qu'on va me parler de réconciliation. On va me parler de déblocage de situations qui étaient coincées, bloquées, stagnantes depuis quelque temps. Si vous attendez des résultats, en tout cas aussi, pour un diagnostic, que ce soit de santé, que ce soit en tout cas pour, je sais pas moi, pour un bien, quelque chose. Aujourd'hui, vous avez des très bonnes nouvelles, mes amis. Balance. C'est vraiment une journée qui est très positive pour vous. C'est une journée qui annonce beaucoup de positivité, beaucoup de belles réponses, aussi peut-être des opportunités que vous ne vous y attendez pas. L'entrée de la lune, en tout cas, on sait très bien que la balance, elle est affectée. Mais moi, j'ai toujours dit, enfin, et je le dis depuis le départ, cette pleine lune, elle est très puissante, mais positivement. Vous savez, après, ça dépend toujours de nous, de comment nous nous positionnons, de qu'est-ce que nous choisissons. Mais faites circuler ces énergies parce que c'est très positif pour vous, mes amis. Hein. C'est vraiment très positif en cette journée. Une grande libération aussi émotionnelle pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? On retrouve vraiment une sérénité. Finalement, on se débarrasse de ces émotions toxiques, négatives, de ces pensées noires. C'est une journée qui vous soutiendra pour vous libérer et pour réussir tout ce que vous voulez entreprendre, d'accord? Donc, profitez de ces énergies, ça vous sera très favorable. Bélier, il y a des retards pour vous, d'accord? Il y a des retards, il y a beaucoup d'accidents, de comment je vous dirais ça? Un peu comme si le mauvais sort s'acharne sur vous, hein? À chaque fois que vous devez rencontrer quelqu'un ou recevoir une réponse, ça n'arrive pas, il y a toujours un petit pépin, on peut pas, il y a eu un petit souci, on doit reporter. C'est tout retardé à chaque fois. Et vous avez cette impression que le mauvais sort s'acharne sur vous. On vous demande clairement aujourd'hui de faire des choix, d'accord? Les choix peut-être tout simplement pour débloquer ces situations qui stagnent, pour trouver pourquoi rien ne se passe comme vous voulez. Pourquoi à chaque fois que vous devez rencontrer cette personne trouve des excuses ou effectivement il y a des problèmes qui font qu'elle ne peut pas venir ou vous ne pouvez pas y aller. Je pense qu'il y a vraiment ici une attirance magnétique pour ne pas que vous receviez des informations, pour ne pas que vous rencontriez quelqu'un. Alors probablement c'est parce que les décisions que vous êtes en train de prendre, les choix que vous êtes en train de mettre en place ne sont pas les bons. Arrêtez-vous deux minutes mes amis, la pleine lune rentre aujourd'hui hein, avec ses énergies très puissantes. Essayez de bien réfléchir à ces opportunités que vous avez en cette journée. Oui, si quelque chose depuis quelque temps ne va pas, ne vous parvient pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire que vous devez bien réfléchir et surtout vous devez faire des choix qui vous sont cohérents et qui peuvent être vous être utile. J'ai quelques amis béliers probablement qui sont en train de faire des choix et l'univers lui-même fait retarder des rencontres, fait retarder en tout cas des événements dont vous attendez parce que probablement qu'est-ce que vous attendiez, qu'est-ce que vous voulez n'est pas cohérent avec vous et ce n'est pas ça qu'il vous faut. Donc réfléchissez bien en ce week-end mes amis. Quant au cancer, je pense que vous vous sentez protégé, vous vous sentez bien dans vos baskets, même si vous vous êtes éloigné de beaucoup de choses, de beaucoup de personnes. Je pense aussi qu'un voyage pourrait faire du bien à quelques amis cancer qui se sentent peut-être déstabilisés par des problèmes personnels qui persistent. Là, vous avez vraiment plusieurs possibilités, hein, où vous vous sentez très bien parce que vous vous êtes isolé, vous vous êtes éloigné de tout et de tous, ce qui vous impacte moins psychologiquement, d'accord? Donc on a mis de la distance, voire vous avez besoin peut-être tout simplement de changer un peu les idées en faisant un petit déplacement, un petit voyage. Il est possible aussi qu'il y a des personnes qui vivent loin, qui peuvent vous soutenir ou qui vous encouragent à faire des choix, hein, ou peut-être voilà, à déménager ou que sais-je, pour pouvoir justement surmonter les difficultés que vous avez. Il est question pour vous, mes chers amis, en fait, de trouver un peu de clarté, d'éclaircir vos pensées, vos émotions, pour pouvoir vous décider ou à vous débrancher un peu de ce quotidien qui est pesant, voire tout simplement de sortir de votre zone de confort, hein, pour essayer d'avoir plus, d'obtenir plus, hein,
Parce que clairement, il y a des personnes qui restent dans leur zone de confort en ayant peur d'agir pour voir qu'est-ce qu'il y a au-delà. Donc clairement, où vous êtes très bien, je vous dirais, comme vous êtes et vous avez mis de la distance, là on vous demande d'être un peu plus clair, hein, d'accord, pour pouvoir certainement sortir de cette zone de confort. Hein, ou alors tout simplement, vous avez la possibilité d'un soutien de quelqu'un qui vit loin et on vous demande peut-être de prendre le temps de bien réfléchir à cette proposition, voire encore vous aurez besoin tout simplement de vous détacher un peu de votre quotidien qui devient suffocant pour quelqu'un d'entre vous. Certes, ce n'est pas facile. Mais réfléchissez bien si vous avez quelqu'un qui peut vous héberger, qui vit un peu loin, parce qu'une grande bouchée d'air fraîche ici vous aiderait énormément. Capricorne, aujourd'hui on discute, on parle, on échange. Il y a des problèmes ici, de jalousie, de difficultés avec une personne. Ça peut être une triangulaire, mais ça peut être aussi une dualité que vous avez avec quelqu'un. Aujourd'hui, on va affronter ces problèmes, on va mettre les choses au clair, hein, d'accord? Et puis je pense clairement qu'aujourd'hui, vous pourriez peut-être. Tout par hasard, je dis bien tout par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, n'est-ce pas? Apprendre quelque chose sur une personne de votre entourage. Ou vous régler un problème de difficile avec quelqu'un, hein, qui vous fait que de la misère, en tout cas, peut-être voilà. Aussi le fait que vous savez que vous êtes dans une triangulaire, ben voilà, ces problèmes qui sont quand même un peu difficiles à vivre au quotidien. Aujourd'hui, vous essayez d'échanger pour trouver des solutions, en tout cas pour éclaircir la situation. Voire vous pourriez, lors d'un échange avec quelqu'un, apprendre effectivement. Effectivement, que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui se fait trahir, qui se fait tromper par son mari, par sa femme, voire en tout cas, voilà, de la médisance en tout cas qui pourrait venir de l'extérieur et quelqu'un qui échangerait avec vous aujourd'hui. Ne rentrez jamais dans ces ragots, mes chers amis, ça vaut mieux parce que vous savez, tout finit toujours par nous retomber dessus, d'accord? Parce que tout revient en arrière. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui vous dévoile des secrets de quelqu'un d'autre, qui va vous dire que cette personne, voilà, trahit sa femme, son mari, ou que s'est fait trahir, ou que sais-je, hein, essayez vraiment de ne pas alimenter cette conversation, restez-en dehors parce qu'il y a des mauvaises langues aujourd'hui qui vont bien se promener et ça pourrait se retourner contre vous. Quant aux Gémeaux, on me dit que vous ne devez pas vous sentir coupable, d'accord? Il y a quelque chose que va se produire durant ce week-end pour vous qui va être très favorable pour vous, d'accord? On me parle de protection, on me parle aussi tout simplement de bénédiction, hein? Comment dire, le ciel vous protège, d'accord? Donc si vous vous sentez coupable suite à des choix que vous allez faire, à des situations qui se produisent, ne vous sentez pas du tout coupable, mes amis, d'accord? Et puis, s'il y a des personnes qui sont médisantes avec vous, qui essayent de vous faire porter le chapeau pour une situation, faites abstraction sur ces personnes parce qu'on vous dit clairement que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie et qu'il est temps vraiment que vous pensiez à vous, d'accord? Tout ce que vous décidez de faire ou de dire, ou en tout cas, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, mes amis, sachez que vous êtes accompagné, d'accord? On annonce pour vous une belle réalisation. Tous vos rêves vont devenir réalité. Donc, ne vous laissez pas influencer par les personnes qui disent, je sais pas, moi, ils peuvent vous dire, oui, tu penses qu'à toi, tu vas vouloir t'en aller, tu vas partir, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu penses pas à nous. Pas penser à vous, d'accord? Ne pensez pas aux autres. Laissez les autres vous pointer du doigt s'ils veulent. C'est leur problème, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une journée de haute protection divine, de haute protection, tout simplement votre bonne étoile sur la tête. Donc, profitez-en. Et écoutez juste vos propres sentiments, vos propres émotions, écoutez votre cœur, votre âme. C'est elle qui est en train de vous mener à réaliser vos rêves. Quant au lion, il est question pour vous de santé. Bon, quand je parle de santé, on parle aussi de santé émotionnelle. Aujourd'hui, c'est une journée tranquille. En fait, on se sent apaisé, on se sent bien. D'accord? On a peut-être aussi des résultats vis-à-vis de certains diagnostics de santé qui sont bons, qui sont en tout cas rassurants. Donc, on se sent tranquille, on se sent vraiment apaisé. Il est question aussi peut-être d'un mal-être qui persistait, que tout doucement, il est en train de s'évaporer, d'accord? C'est une journée où les amis lions se sentent apaisés, tranquilles, se sentent vraiment, comment dire, un peu détaché. Voilà, vous avez peut-être du mal à vous détacher de certaines émotions, de certaines situations que vous vivez. Et là, finalement, vous, voilà, c'est vraiment le calme, d'accord? Le calme. Et puis, je pense aussi que c'est une journée de repos qui vous fera énormément du bien. Poissons, les poissons vont bouger, mes amis. Hein. Il y a un déplacement qui doit se faire suite ou un verdict de justice qui pourrait tomber. Je sais que nous sommes en plein week-end, mais peut-être que c'est quelque chose qui s'est produit et qui va se produire, hein, nous sommes énergie en tout cas. Mais je pense qu'il y a un déplacement qui a été fait ou qui doit être fait
pour un verdict de justice, pour régler des problèmes aussi que vous auriez sous des affaires légales. Peut-être tout simplement que vous avez des personnes que jusqu'à présent ne voulaient pas entendre quoi que ce soit pour trouver un compromis, pour trouver un arrangement. Et puis finalement, il y a un changement ici, hein. Peut-être ces personnes veulent vous rencontrer avec les avocats ou que sais-je pour pouvoir trouver une solution pour mettre fin à cette situation. Je pense aussi tout simplement qu'un voyage ferait du bien à certains amis poissons qui sont peut-être un peu trop pris par le travail, par des situations difficiles. On vous demande clairement de trouver un peu d'équilibre et de tranquillité dans votre vie, peut-être avec un petit déplacement. Ce petit déplacement, ça pourrait être dans une maison de repos, ça pourrait être dans un endroit, en tout cas calme, où on peut se ressourcer, on peut se sentir bien. Peut-être aller rendre visite à quelqu'un qui habite loin, pourquoi pas, d'accord? On vous demande en tout cas de vous rendre dans un endroit où vous pourriez vous sentir bien. Il est peut-être temps aussi pour les amis poissons de prendre ses propres responsabilités, de se rendre compte que là où vous êtes, ce n'est plus bon pour vous et donc d'envisager éventuellement, voilà, de pouvoir s'en aller, de pouvoir bouger, de se déplacer en tout cas, peut-être trouver un autre logement, voyez. Sagittaire, on me parle d'amour, on me parle d'insouciance, on me parle de nouveaux projets, on me parle en tout cas de croire à son avenir et à ses capacités de pouvoir fonder famille, de pouvoir rencontrer quelqu'un, de pouvoir évoluer dans cette relation, de pouvoir mener à bien son projet. J'ai des amis sagittaires en fait qui se sentent très bien cette journée avec ces énergies lunaires qu'elles vont vous aider énormément, positivement bien sûr, d'accord. C'est comme si aujourd'hui on retrouve comme tout, comme par magie en fait, une force invisible qui vous dit vas-y, crois. Crois, ne lâche rien, tout est possible et tu vas pouvoir y parvenir. Donc on prend confiance, on se sent en confiance aujourd'hui, les Sagittaires se sentent en confiance. Peut-être qu'on se rappelle des bons moments de son enfance et on se dit pourquoi tout cela a changé. Bien sûr que je peux retrouver cette insouciance. Il faut peut-être que je m'investisse un peu plus, il faut peut-être que je travaille un peu plus sur moi, il faut peut-être que je laisse passer tout ce que j'ai pu vivre de difficile jusqu'à ce jour et je me relance à nouveau à la conquête de la vie, du bonheur. En tout cas, il y a des projets ici hein, que vous rêvez, hein. Il y a des choses que vous désirez et ça vous fera du bien. Vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez en tout cas la motivation. Aujourd'hui, c'est très bien. Quant au scorpion, il y a des beaux événements à fêter hein, cette journée. C'est peut-être un baptême, un mariage, que ce soit le vôtre ou de quelqu'un que vous aimez. Mais aujourd'hui, il y a un moment de partage. Il y aura beaucoup de bonheur, beaucoup de joie pour cet événement qu'on fêtera tous ensemble. Il y a aussi des bonnes nouvelles annoncées. Hein. Une grossesse, ça peut être la vôtre. Ou encore une fois, quelqu'un de très proche. Hein. Peut-être votre enfant, votre soeur, ou que sais-je, hein, votre frère. Il y a vraiment des événements aujourd'hui qu'on partage en famille qui sont très chouettes. D'accord ? On me parle de bonheur, on me parle de joie. On me parle vraiment de réalisation de certains événements et en fait tout ce que vous, alors que ça soit vraiment parce qu'on fait quelque chose, parce qu'on annonce quelque chose, c'est peut-être aussi un projet hein, qui prend forme, en tout cas que vous réalisez, ça peut être une crémaillère d'une maison par exemple. Aujourd'hui c'est vraiment un moment de grand bonheur et de partage, d'accord. On se sent bien, il y a beaucoup de gaieté, il y a vraiment un événement heureux qu'on va célébrer aujourd'hui. Donc on se réunit en famille et on partage ce moment extraordinaire. Donc c'est peut-être tout simplement des bonnes nouvelles qu'on va partager. Hein, on trouve un travail, on nous a accordé un crédit pour l'achat d'une maison, on reçoit la clé de la maison, je sais pas, ça peut être tellement de choses, mais aujourd'hui on partage avec les gens qu'on aime un événement qui est très 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 positive et surtout très heureux. Alors, taureau, les amis taureaux se sentent un peu tristes aujourd'hui. Les amis taureaux aimeraient peut-être tout simplement le retour de quelqu'un. Hein? Peut-être que aussi il y a bien effectivement un retour qui vous rend triste. Peut-être que vous avez quelqu'un avec qui vous vous êtes pris la tête et qui revient, mais revient de façon pas très chouette, pas très gentille, ce qui vous rend triste. Vous attendez vous réconcilier et puis cette personne en fait vient tout simplement pour vous embêter. Hein? Peut-être aussi pour vous faire des reproches. J'ai aussi en tout cas une grande tristesse pour quelque chose qui vous manque, qui ne vous parvient pas, peut-être une personne et qui vous manque, quelqu'un qui est parti, qui est loin. Je pense qu'il y a eu des conflits, qu'il y a eu peut-être des malentendus, qu'il y a eu de la méchanceté gratuite ou pas, mais je pense vraiment ici qu'il y a un éloignement avec une personne qui vous a pointé du doigt, qui vous a fait du mal, qui a voulu vous faire porter le chapeau, qui a voulu que vous vous sentiez coupable, qui a voulu que tout pèse sous vos épaules. Cet éloignement par contre est difficile. Vous attendez toujours le retour de cette personne, même si je pense
parce que pour certains, ce retour est quand même inenvisageable, n'est-ce pas? Pour certains, effectivement, quelqu'un pourrait revenir, mais il ne reviendra pas avec les intentions que vous espérez. Ça veut dire clairement, mes chers amis, que ou vous êtes dans l'attente que quelqu'un revient, et ça vous fait souffrir parce que cette personne ne vient pas, voire tout simplement, quelqu'un, effectivement, pourrait frapper à votre porte aujourd'hui, mais malheureusement, ne reviendra pas avec les intentions d'une réconciliation pacifique. C'est quelqu'un qui finira tout simplement pour vous réaccuser et pour vous faire encore du mal. Donc attention sur ce retour, pour certains bien sûr. Quant au Verseau, il y a un changement qui est très très beau pour vous aujourd'hui. La roue se met finalement en marche pour vous. Hein. Donc il y a clairement des bonnes nouvelles. Il y a peut-être tout simplement un changement de poste si on parle de profession. Il y a peut-être un changement de lieu de résidence. On reçoit un bail, on reçoit tout simplement les clés d'un logement. Ça, c'est beaucoup de choses, mais disons aussi que c'est un changement qui est soudain. Il y a quelque chose qui va... Comment je vous dirais? Il y a quelque chose qui va sonner d'un coup dans votre tête comme une sonnette d'alarme et tout devient évident pour vous. Ce changement est peut-être bouleversant, d'accord? Parce que c'est un nouveau départ, c'est un déménagement, une nouvelle orientation, une nouvelle proposition, une nouvelle, clairement, que vous ne vous y attendez pas. Mais sachez que c'est vraiment un changement qui est positif, d'accord? Ce changement va enclencher à vous une forte passion. Donc c'est comme si aujourd'hui vous découvrez quelque chose. C'est comme si aujourd'hui, qu'est-ce qui vient vers vous? Donc je sais pas moi, quelqu'un qui vous annonce quelque chose, une proposition, un courrier, ça va vous bouleverser sous le coup, mais ça va allumer une forte passion à vous. Ça sera une passion qui va vous dévorer de l'intérieur parce que vous allez vous sentir vivant. Vous savez quand il y a quelque chose qui se produit, que tout d'un coup vous avez l'adrénaline, bah c'est ça, d'accord? Donc attention, ça peut être aussi une relation amoureuse qui évolue charnellement. Hein. Donc aujourd'hui, c'est peut-être une première rencontre ou alors ça peut être un premier moment à partager à deux. Ça peut être aussi tout simplement une demande d'un mariage ou que sais-je. C'est quelque chose qui, c'est inattendu. Ça peut vous bouleverser, mais de façon positive en fait. Il y a l'adrénaline qui va monter. Quant à la Vierge, pour vous, mes chers amis, il est temps peut-être tout simplement, d'accord, si vous avez un projet immobilier, si vous avez un projet matériel, un projet en tout cas financier, d'accord, si vous avez un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur, il est temps, surtout maintenant, de trouver des solutions. Les amis de la Vierge ont un projet en tête, ont peut-être un problème à régler, d'accord, il est en fait de passer à l'action. Tout simplement. Oui, je sais pas. Vous voulez un nouveau travail? Vous voulez évoluer dans ce travail? Mais il faut aller parler avec le patron. Il faut qu'on mette carte sous table et qu'on se dise, je veux évoluer. Je veux donc acquérir des compétences. Faites-moi faire des séminaires, des formations, que sais-je. En fait, je pense vraiment que vous avez envie que votre vie change, qu'elle soit plus positive, qu'elle soit plus remplie, qu'elle soit plus, d'accord, hein, un meilleur lieu de vie, plus d'argent, plus de reconnaissance, ben, il est temps d'agir. Il est temps aussi de trouver des arrangements, surtout si vous avez dans des difficultés. Si vous rencontrez une difficulté pour un projet, d'accord, pour une évolution que vous voulez, donc vous pouvez vraiment l'adapter à beaucoup de choses, hein, ça peut être même une évolution sentimentale, hein, clairement, ben, il faut discuter avec les personnes concernées, trouver des solutions et passer à l'action. Si vous voulez y parvenir, à réaliser ce projet, à évoluer en tout cas, hein, avoir plus, il est temps de passer à l'action. Il est temps de comprendre que tout dépend de vous, de votre investissement, de qu'est-ce que vous mettez en place pour y parvenir. Et si vous êtes dans des situations difficiles, qui coincent, qui bloquent depuis quelque temps, pour un partage, pour une garde d'enfants, il est temps vraiment de négocier. D'accord? Pour que vous puissiez, bah, déjà, vous sentir libéré et vous sentir moins stressé. J'ai un compromis à trouver et j'ai aussi une action à mener, d'accord? On trouve vraiment les arrangements, on fait en sorte d'obtenir, hein, et puis on fait en sorte aussi peut-être de mettre de côté certains problèmes qui ne vous aident pas à aller de l'avant. Par exemple, si ça fait des années, des mois que vous vous battez pour la pension alimentaire ou que sais-je, il est peut-être temps maintenant de dire, allez,
On se met sérieusement à table, on trouve des solutions, quoi. Il faut que ça s'arrête. C'est une journée de compromis pour défaire des situations qui bloquent et c'est une journée aussi d'action pour pouvoir obtenir ce que vous désirez mettre en place, construire pour votre bien, pour votre avenir.